Oh, monsieur Fall, qu'est-ce que vous faites là? Je ne sais pas, je vais aller me promener au bord du canal. Voilà. Tu lèves déjà les bras, t'as volé un com. Bah ouais. Oh putain, mais qui sont cons. Qui sont cons. 6h du matin, les mecs, ils volent des coms. Ça va bien? Putain, mais. Ah, maillot, faut que je me dessape. Oh, il y en a plein partout. Comme tu veux. Oh, non, bon. Je force pas. 6h. Et voilà. Exactement comme Fernand avait dit. 6h03. Non, il est 6h03 réellement. Ouais, il est réellement 6h03. Putain, t'es pas con. L'homme toujours en retard. Là, le reste de la bande. Ah ouais, j'ai dormi là. Ça va, Hervé? J'ai dit bonjour à tout le monde? Ouais, je crois. Bon, allez. Pas mal trop vite. Je suis pas inquiet pour le train si on roule à cette vitesse. Le vent va être notre ami quasiment tout du long de la sortie. Pendant 215 km, à quelques exceptions près, hein, il va nous pousser. Donc là, depuis tout à l'heure, on est à 30 à l'heure. Bon, ça va se calmer, hein. C'est le matin, on se réveille, tout ça. Ça papote. On est à 30 à l'heure parce que le vent va souffler dans le dos pendant toute la journée, quasiment. Par contre, il va aussi pousser les nuages et des risques d'orage sont annoncés. Alors, il y a une température très élevée. Hein. Là, on part, il fait quasiment 20 degrés à 6h30 du matin. Au plus haut, on va avoir 28, 30, peut-être arriver sur Paris encore plus. Et tout ça, c'est des risques d'orage, donc on a tous pris l'impair. Mais là, on est parti, on est un beau troupeau. J'accélère pour les rattraper, pour vous montrer. 9 baroudeurs. Pierre a un petit pincement au cœur à chaque fois qu'il passe là. C'est là où il a fait tomber son vélo dans le canal. Surtout le parcours. Le parcours, très important. Oh. Ouais, bah depuis, c'est vrai que depuis 15 jours, quand je passe ici, une petite larme qui monte. C'était un lundi. Quand même, on va bien rigoler parce que on va se faire 200 km. Le long du canal, donc j'espère que mon vélo va bien se tenir parce que bon, des fois il fait un peu des siennes. Bah, je vois, il est sauvage. Jérôme, voilà, c'est un vrai baroudeur. Il a une canne à pêche télescopique. Au pire, s'il faut aller au combat, sortir la canne à pêche, il est là. On fait confiance à Jérôme devant. Confiance à Jérôme. Putain, il roule comme des malades devant. À chaque fois que je sors ma caméra, je prends 10 mètres. Hier, il a voulu faire un plongeon encore. Il y a des travaux tout du long, ils sont en train de retaper le canal pour qu'il soit super cyclable. Mais nous, on est des sauvages, donc il va quand même voir si ça passe. On est samedi, hein. Les gens qui travaillent sur le canal sont en congé normalement. Finalement, ça passe pas par le petit chemin, donc on traverse. La petite écluse. Comme tout le monde, je vais filmer le ciel. On a fait 17 460 km et regardez l'état de nos chaussures et des jambes. Il y a des poils en plus. Allez, moi j'ai du poil, ça attrape tout là, la GoPro elle est dégueulasse. On est en minorité les polopathes là. Ouais, c'est vrai. La semaine dernière on était en majorité mais là. Eh, c'est reparti. Faut pas traîner hein. Ah, elle va être courte cette vidéo. C'est là où on improvise. Bon ben voilà, un petit bout de bitume, ça fait du bien. On bosse là, nous on bosse. Nous on bosse, c'est plus dur. On fait des films. On fait la pancarte à la prochaine, on dormait. C'est exactement le site, moi je suis blanc. Ah non, on dormait. On se fait côté. Prudence, un ménagement nouveau. Là,
on fait confiance à notre traceur en chef, l'expert du coin, Sébastien, qui a été élevé par des loups dans cette forêt. On l'a retrouvé à l'âge de 14 ans. Il s'était fabriqué un vélo de gravel tout seul, avec 4 branches, et il connaît le coin comme sa poche. Donc là, on le suit, parce qu'effectivement, son cousin lui a précisé les endroits où il y avait des travaux sur le bord du canal, et lui, dans sa petite tête, avec son Garmin interne, il a préparé à l'avance le chemin par où il fallait passer. Kilomètre 35, il faut prendre le temps de faire le touriste. Je ne l'avais jamais vu ce château. Vous l'avez jamais vu? Il a roulé avec son drone. Ah bah oui. Il l'a jamais vu? Non. Regarder le compteur. Moi, il y a que les coms qui m'intéressent. Je regarde où Pierre Roland est pas passé, je vais me taper tous les coms. Hein. Ouais. Avoir des coms dans la région, c'est compliqué. Hein. Comme ça, il s'est levé ce matin, il en a remangé. Ah putain. J'avais même pas dit, je me suis levé, j'avais pas digéré mon repas d'hier. On a déjà 50 bornes. Hein. On en crie. Ouais, moi je suis parti avec un café dans le ventre. Chacun en fait ses choix. Bah c'est ça. La tronche du mec, ah ouais, je vais te mettre une mine, tu vas voir. Non mais sous-estime pas dans le barbu. Dans la forêt de Fontainebleau. Surtout que maintenant, même quand ça s'assombrit, il commence à embrayer maintenant. Il gère, et à la fin, tu verras comment il explose. Là, j'ai géré, je sais qu'il y a le ravito dans 40 bornes. 40 déjà? Bah ouais, 52, 95. Non, on est bien là, on est vraiment bien là. Ouais, on roule bien. C'est la partie qui roule pas en fait. Après, ça roule. C'était vrai? C'est la partie la plus dure, c'est là. Elle est belle ça. Ah, c'est un modèle tout en bois en fait, elle est magnifique. Jérôme qui part explorer pour voir si on passe pour aller faire de belles photos. Tu es vivant? Il est vivant. Allez, pousse sur les vélos. Ah, vas-y, on te prend sur le ballon. J'aurais dû nous laisser l'appareil. Allez, j'en ai besoin de toi. J'en ai besoin de toi. Il y a deux volontaires. Ah, moi, je suis tout le temps sur les photos, les gars. Bah, j'arrive. Je vais laisser mon. En même temps, c'est normal. On passe avec les vélos? Avec ou sans vélo? Avec les vélos. Avec un vélo, c'est bien. On arrive. On vient de faire modèle mannequin vélo avec les ballots de paille. Jérôme, il a un bel appareil photo, hein? Sans tomber. Sans tomber, ouais. Parce que là, Jérôme, il a son super appareil photo, et puis... Bon, les autres nous attendent là-bas. J'ai réquisitionné les deux beaux gosses du groupe. Moi, j'adore les champs avec des ballots. Allez, on est reparti? Regarde comme c'est beau, là. C'est parti, il n'était pas arrêté, hein. On est classe. Allez-y! Andiamo!
Là, c'est tout ce que j'aime dans le vélo et dans le gravel, en fait. On est sur une piste roulante, qui n'est pas très intéressante sur un vélo de route, parce que c'est un peu cabossé, il y a des risques de percer, etc. Là, nous, on est sur nos gravels, confort. On est quand même à 30 km/h, parfois 32, 33. On roule quand même ni fort, ni doucement. Et tout le monde discute. Le truc, c'est ça. C'est pas la recherche de la performance, même si de temps en temps, ça va se chatouiller, ça se chambre, ça se cherche. La grande majorité du temps, c'est de la discussion, du papotage, de l'échange. Et ça, c'est vraiment absolument extraordinaire. C'est un vrai bonheur de pratiquer le vélo comme ça. Le gravel apporte ça en plus, quoi. Et là, ça fait 70 km qu'on roule, quasiment sans aucune bagnole. Pas de voiture, pas de stress. On s'arrête de temps en temps, on fait des photos, on se marre. C'est du bonheur en barre. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir rouler avec des pros comme Pierre et Jérôme, quoi. C'est juste génial. C'est une expérience incroyable. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur le maillot, il y a marqué « Escape with the pro ». Ça veut dire « S'échapper avec des pros ». Allez, un petit peu de cyclocross. Les délinquants. Voilà, voilà, voilà. On vient de passer Chalette-sur-Loing, donc Montargis est 3 km à droite. Voilà, ça grimpe. Voilà, on arrive au triangle. Donc, canal d'Orléans, canal de Briard, canal de Loing. La croisée des canaux. On passe par le demi-tour. Nous quittons le Loiret. On a perdu Hervé. Ah ouais. Hervé, on va manger. Je vois la table, c'est carrément un banquet, quoi. Waouh. Ah ouais. Putain, je suis sûr qu'il y a des couverts en argent. Il y a même des enfants pour nous servir. Waouh, bonjour. En plus, des règles pour les vélos. C'est dingue. Comment c'est organisé? Oh, je rêve. Ah, t'as raison, il fallait partir à 6h parce que là, on est posé pendant 1h30 là. Là, on est installé pendant 1h30. C'est quasi royal, quoi. On est la cour François 1er, là, avec les plumes et tout. Oh. Sébastien, il y a du saucisson. J'ai vu. Est-ce qu'il y a des bières? Oh, la vache. Ah ouais, la classe, quoi. Waouh, mais c'est pas possible. C'est royal. Et puis, alors, pour ceux qui ont besoin d'énergie, il y a ça aussi. Ça, on va les laisser. Il y en a partout. Eh ben voilà. Oh la vache. Joyeux anniversaire Marion. Au départ. Les gens du marketing nous ont répondu. C'est l'anniversaire de qui bientôt là? Personne? Petit café pour terminer le truc. Ah ouais, bah voilà. Ah, bon anniversaire Jérôme. C'est quoi, son anniversaire? C'était lundi. C'était lundi. Bon anniversaire. Non, c'était à toi de couper. Ça te fait combien ça? 34 ans. C'est jeune. Un enfant. Bah quasi, hein. C'est quasi l'âge de ma fille. Voilà la table, après que les sauterelles se soient abattues dessus. Il en reste. On peut vous dire, je crois qu'on pourrait peut-être être deux ou trois de plus, ça passait. Voire 4 ou 5. Moi j'ai fait mon petit doggy bag, hein. J'ai piqué des pâtisseries. Chut. Allô, il va appuyer là. Il prend de l'énergie drink. Ça permet de passer à la... C'est une cuillère. Par contre, il ne faut pas la sniffer. Guylain Lambert. Allez, allez, hop, hop, hop. Il filme en plus, lui. Il y a 100 kilos, la part de gâteau aux fruits en entier. Là, il se fait ça. Eh, hey, bah, bon, gars, ça va voltiger. C'est lui qui nous ramène. Quand il va avoir le coup de bambou. Il est où, Aldo? Il est devant.
fou. Ah, je te jure. Pas mal en plus. Ah mais toi il t'en faut de l'énergie là, parce que maintenant t'as 12 kg à transporter en plus. Parce que Jérôme il a monté tout son barda là. Il était light. Et puis lui il prend le train pour rentrer chez lui, donc il a sa vie là. Ça fait deux fois que je croise Jérôme, deux fois qu'il a sa vie dans ses sacs. Il est 11h30, on s'est arrêté à quelle heure au ravito? 9h30. 7h15. Après 4 heures de pause, nous repartons. C'est un autre vélo, hein. T'as Pierre qui redécouvre la joie du vélo, c'est-à-dire qu'il a le droit de manger. Il a le droit de manger des trucs gras. Tu roules juste moins vite dans les bosses. Alors, on est parti. On est plein comme des barriques. Ah c'est bon un baroudeur, ou une baroudeuse. Bah si c'est beau je peux te filer mes sacoches et puis je vais. Mais non parce que je le verrai pas si c'est moi qui porte. Là ce qui est beau c'est de te voir. Ah c'est beau. Ah ce bruit, ça donne qu'elle est transparente. Quoi. C'est important de trouver des petits points, un panorama pour s'arrêter et montrer aux gens en fait. Là en même temps, c'est magnifique. Enfin, personne n'aurait idée qu'il y a ça. Et bien là, tu t'arrêtes pas. Quand tu passes comme un con, la tête dans le guidon, tu vois pas. Ah bah là, sur route, tu passes au-dessus, tu vois rien. Ah bah là, tu vois là. Si tu passes sur le pont, là, tu vois. Parce qu'en fait, t'as une porte un peu fortifiée. T'as ah ouais. C'est beau, putain. C'est quoi le patelin? Moret-sur-Lan. Ça fait quoi de se faire pomper? Bah écoute, j'éprouve un certain plaisir. Merci. À voir un bon copain. Ah ouais. Il voulait me faire sur la bouche. Kilomètre 132, 280, on est à Saint-Mamès. Et donc là, on va aller vers Melun. Ouais, bon, on est prêt. Ça, c'est la blague préférée sur les cyclistes. On va traverser la forêt de Fontainebleau. Ouais, ils nous laissent passer, donc on y va. Le faire si on peut le faire en bas sur la rouge. Ah, pareil, allez, un tour gratuit. Ah, la vache, ah oui, ça penche. Oh la vache, oh la vache, oh oui, ça va. J'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Faut pas ralentir. Hein. Faut pas ralentir. On a trouvé la fontaine et forcément la douche. Ah, ouais, là je revis.
Nous voilà repartis après ce petit passage par le vélodrome qui m'avait lu cette petite chute ridicule, mais j'assume. Je l'ai vu arriver à la chute, hein, c'était évident. Tu es en train de me demander qu'est-ce que tu fais, t'accélères ou tu descends sur la pelouse, et j'ai pas pris la décision au bon moment. Donc ça me pique un peu, hein. Mais c'est rien. Première et unique côte de la journée. Ah bon? Ah oui. Ah merde. J'ai mis un coup de pédale, désolé. Trop de force. Dans la montée, je sais pas ce qui s'est passé. Il est tout cassé. C'est bon, chef? Bon, manifestement, ma petite galipette tout à l'heure, ça a un peu tordu la patte de derrière. C'est bon? Vamos. Allez, qu'est-ce qu'il y a, ça... Ah oui, repartir. Ah oh, ça va, cette fois champion de France. Sur piste. Sur piste. C'est pas le meilleur endroit pour un problème de derrière, hein, parce que depuis tout à l'heure je sens que quand je suis au milieu de cassette, ça déconne bien sa mère à l'arrière, et c'est justement là que j'ai besoin d'avoir de la souplesse dans mon changement de vitesse, puisqu'on passe par du sable, de la montée, des racines, donc c'est des endroits où d'habitude je suis sans arrêt en train de changer de vitesse. Là j'entends que ça craque derrière, des fois je veux remonter et ça monte pas, il faut que je mette un coup, et dès que je remonte deux crans au lieu d'un, enfin bref, la galère, mais bon c'est comme ça, hein. Donc je vais faire avec, je veux pas tout arracher. Et devant, ils s'envolent. Chaud. Je crois qu'il a trouvé le coin idéal pour habiter. L'ours dans la forêt. Le migou, qui a la référence. Bon, on repart, c'est une petite pause de rien du tout. J'aurais dû changer mes batteries de GoPro, tiens. Jérôme avait besoin de recharger son téléphone, il fait beaucoup de stories, hein. C'est une belle sortie. Il y a beaucoup de choses à filmer. On a mangé une petite barre de fruits, on a discuté, on a redressé encore en dérailleur. Là, on va rouler tranquille. Elle est belle cette forêt. Il est 14h45, on est à Melun, on est au début de la trace du Challenge Tourmagne. Bon, à partir d'ici, je connais plus la trace du tout. Là, c'est notre ami Hervé qui connaît. Hervé, c'est Google Maps, mon gars. Crossman. Non. Lui ça passe, je suis sûr que je passe en plus. Oui. Ouais mais moi je suis pas. Hein. Allez-y. Moi je suis solidaire de Pierre, je monte à pied. Ah mais t'es derrière là, je suis pas confiant. Tout t'a arraché moi derrière. Ouais,
pas changer de vitesse, moi. C'est bon, c'est toujours droit derrière. C'est bon, c'est droit. Ça s'accroche, je vais te dire. J'ose plus. Tu veux rallumer là ? Ah ouais, quand même. Voilà. On y est. Ah ouais. Ah ouais, vas-y, 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 passe. Ah, mais si je fais ça, je crois que j'arrache tout à l'arrière. Même Jérôme Cousin est à pied. Fallait que je remette ma bandoulière. Ah ouais. Là, c'est un passage dur, là. Hein. C'est bon ? Allez, go, faut y aller. La moyenne, là ? La moyenne, ouais. Non, après, c'est fini. Ouais, ouais, ouais. À un moment, ça va se finir, presque devant. Oui, à un moment, ça se finit, oui. Ah bah là on aura eu la totale niveau gravel hein. Bon après sur 220 bornes. Ouais ça va. Ça chasse un peu en fait. Mettre un petit peu de pression dans la roue. Tout le monde en profite pour manger un petit bout. Passe sa vie au téléphone. Non, arrête. C'est pas vrai. En vrai, j'ai un petit coup dans les carreaux. Ouais, j'ai vu. Hein. Ouais. Et pour te miner le moral, je me suis mis pour son vélo et je suis parti. J'ai un petit coup dans les soquettes. Hein. Bah, on roule vite là, depuis tout à l'heure. On roule vite, il commence à faire chaud. Il fait super chaud. On reste des humains. Hein. Mm. La petite pause est terminée, on a regonflé les pneus de Fernand, on a mangé un petit peu, on a bu et on repart. Tranquille. Quel acrobate. On travaille. Les médias managers en même temps. C'est ça le monde moderne. Le monde numérique. Le monde numérique. Hein. L'instant présent. Et hop, on est parti. C'est sémaphore. Bien. 16h33, on est à 20 km de Paris, on a fait 196 km 640 et devant ils s'excitent comme des puces. Ah ils sont joueurs hein, mais pour jouer il faut en avoir les moyens. Hein. C'est comme à Vegas. T'as fait combien de Tours de France ? 13. 13 Tours de France le gars. T'en as fait combien de Tours de France toi ? 3 ou 4. Le réveil matin. 1er juillet 1903, premier départ du Tour de France. C'était là. La classe. Petite émotion là. Ouais, hein ? Allez, un petit truc. Ça s'appelle un coup de pompe, ouais. Ton émotion après ça. Parce qu'on est à 200 km là. 200, ouais, passé hein. Ouais. Et ça fait combien de temps ? 8 heures. 8 heures de vélo là. Non, j'ai fait 200 bornes il y a 15 jours. Bon, ben on y va. Il est 17 heures. On a fait 201 km 900. Et il nous reste 15 km 830 jusqu'à la gare de Skye. Là, ça va être de la voie de Seine, là, comme ça, tout le long. On a pris le petit chemin, qui était vraiment en bord de Seine, pour aller de la grande route. Le paradis des tailles. Ça, c'est classe, hein. Ouais. Passe pas au travers, hein. Imagine le ponton qui tombe. Attention à la chute. Hein. Allez. Ça te fait une pub là, mon gars. Je retire le sac. Il reste plus que 10 km. On revient sur le groupe de tête. Pierre Roland temporise. Alors il attaque. Il attaque à la sortie du chemin vert. Et oh, le virage de tueur qu'il vient de prendre. On approche, on approche, on approche. Le boulevard périphérique. Ah, je vais faire la pancarte Paris, on va tous les niquer. Trop tard, c'est moi qui l'ai eu. Fais gaffe. J'ai vu. Attention derrière toi. Ouais. Nous
arrivons à la gare d'Austerlitz. Bientôt officiellement on devrait voir Rouder. On est bon, on est officiel. Oh, ils s'embrassent. Pierre, c'était super. Merci à Marion pour le... Vous êtes officiellement des baroudeurs, les gars. Merci beaucoup, en tout cas. Super. Voilà, ils sont beaux, tous les deux. De rien, merci à vous. Merci, champion. Merci. Bon, bah, les gars, c'est fini pour aujourd'hui. On a passé un super moment avec vous, avec Jérôme, et c'était vraiment cool. Vous êtes nos premiers baroudeurs. Ouais. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est le début d'une très très grande aventure, on l'espère, avec Jérôme, et on a été content de partager ça avec vous. À votre santé, les gars. On vous souhaite du succès. Santé. Bah, je suis en train de traiter les photos là. C'est le seul à bosser en fait. Lui, enfin non, lui et Marion. C'est leur poupéa qui bosse, quoi. Voilà. Là, ils regardent les gars, ils ont fait toute leur carrière sur la route, ils sont pas habitués à avoir de la poussière comme ça sur les pattes. Hein. Non, mais c'est qu'après, je dois aller plutôt au resto en arrivant. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Et contre l'odeur de la transpiration, tu comptes faire quoi? J'ai une petite fiole de parfum. Tu vois, je m'enfonce dans le truc. Alors, les aisselles, puis derrière les oreilles. Ouais. Les oreilles aussi, les oreilles. Dans le casting, attends, c'est bon, il y a une soirée après.